Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, il est 18h, on a rendez-vous aujourd'hui et je suis très contente de vous retrouver tous. Mettez-moi des petits mots dans le chat hein, pour que je vous voie. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Je voulais répondre aujourd'hui à tous les mails que j'ai reçus, aux questions qui ont été souvent posées sur la puissance de la parole. Vous savez, il y a une conférence précédente que vous trouvez sur la page Parole Magique juste avant, qui vous résume un petit peu mon parcours. Donc, je ne vais pas recommencer aujourd'hui, je vais juste répondre aux différentes questions qui m'ont été posées. Et en particulier, donc moi, vous savez, ça fait 36 ans au moins que j'enseigne la puissance de la parole entre deux spectacles, entre deux tournées ou entre deux films. Et donc, j'ai toujours été passionnée par tout ça parce que quand j'ai vu la puissance que tout cela a quand on le pratique constamment, quand on se rend compte de l'énergie qui est contenue dans chacune de nos paroles et des effets que cela peut avoir sur notre vie, à tous les niveaux d'ailleurs, eh bien, ça m'a passionnée. Donc, j'étais pas du tout destinée à écrire tout ça, mais c'est venu. Donc, j'ai d'abord écrit ce livre qui s'appelle Paroles magiques, je vais vous le montrer. Donc, si vous voulez commencer par un livre, par une histoire, hein, c'est mon histoire qui est là-dedans, dans Paroles magiques. C'est un livre qui a été réédité plusieurs fois chez Trédaniel. C'est le premier qui est sorti, donc il est sorti en 1993, je crois. Et donc ce livre, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous de si loin, de La Réunion, de la Loire, etc., etc. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube aussi. Je retranscrirai cette vidéo sur Instagram aussi pour tous ceux qui sont inscrits là. Je vais la faire circuler au maximum. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça jusqu'à présent. Parce que les conférences, je les ai toujours faites soit au Club UNESCO à Paris, soit dans un café qui s'appelle le Café du Pont-Neuf, hein, au premier étage, mais comme tout était fermé là, on n'a pas pu. Et donc, grâce à ça, grâce à tout ce qui est arrivé ces derniers mois, eh bien, j'ai pu m'occuper d'Internet. Donc, c'est comme ça que je suis là ce soir. Et je suis très heureuse de vous parler à tous. Donc, je vais répondre à vos questions. Donc, si vous voulez commencer par un livre, commencez par Paroles magiques, qui retrace le tout début de cette aventure avec la puissance de la parole. Parce que moi, j'étais pas du tout consciente et je pense que très peu de personnes, enfin c'est pas la majorité encore parce que sinon on n'entendrait pas les énormités de tout ce que l'on entend dans le monde. Les gens se rendraient compte de la puissance de leur parole et de ce que ça engendre au quotidien et de ce que ça engendre pour les autres et pour eux-mêmes. Et moi je pense que ça devrait être enseigné dans les écoles dès le plus jeune âge. Déjà, ça enrayerait beaucoup de choses au niveau des gros mots. On les entendrait plus parce que tout ça, chacune de nos paroles contient une vibration et cette vibration crée dans la réalité. Donc, il est très important aujourd'hui, surtout, principalement aujourd'hui, de connaître cette puissance en action que l'on a tous et qui peut transformer les choses pour le meilleur. Donc, j'ai utilisé cette connaissance ça m'a été révélée par une personne un jour, donc c'est ce que je raconte dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder, elle est sur la page Paroles magiques. Elle a été faite, je crois que c'était le mois dernier ou il y a quelques temps. Et il y en a d'autres aussi que vous allez pouvoir regarder. Il y a même des séances de relaxation, etc. Donc avec votre parole, vous pouvez influencer votre subconscient pour qu'il travaille pour vous, pour qu'il travaille dans le sens souhaité, de la bonne manière et pas dans le sens inverse. Donc, vous savez, nous, on a tous, comme on est né sur cette terre, on est arrivé à travers des générations, et on a une mémoire à l'intérieur de nos cellules, il y a une mémoire de tout ce qui a été traversé par nos ancêtres et par toutes les générations qui nous ont précédés. Et donc, toutes ces choses-là, ce sont des croyances qui nous ont été inculquées, ce sont
comment dire ça, des lois qui nous ont été données, qui nous ont été transmises, que notre corps porte en lui, que nos cellules portent, que notre subconscient porte. Et si on arrive à faire, si on se rend compte de cette l'importance de nos paroles et qu'on voit les effets, eh bien, on commence à faire très attention à ce que l'on dit, à ce que l'on émet. Donc, ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui ont déjà eu des résultats, parce que beaucoup, il y a eu, je ne sais pas, une 150 personnes au moins qui ont demandé leur assemblage de cartes gratuit, hein, que vous pouvez trouver sur mon site www.bonheur.tv, BONEHEURE.tv, à droite, dans la boutique. Hein. Dans la boutique, donc vous allez fouiller un petit peu et vous allez trouver l'assemblage de cartes qui est gratuit avec des cartes du tarot ainsi qu'une petite phrase sous chaque carte que vous pouvez utiliser et dire à haute voix pour modifier les choses que vous voulez modifier dans votre vie et pour réaliser vos souhaits, bien sûr, et pour transformer tout ce qui ne va pas en choses bien meilleures. Donc, mais vous pouvez le faire sans le tarot, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que vous êtes à même, vous savez, vous faites des phrases depuis que vous savez parler, donc vous êtes à même vous-même de faire vos propres phrases. Et donc, tous les livres que j'ai écrits contiennent des exemples de phrases que vous pouvez dire, que vous pouvez améliorer. S'il y a un mot qui ne vous convient pas, vous pouvez le changer et mettre un mot qui vous convient mieux à la place. Faites très attention à la manière dont c'est formulé parce que votre subconscient enregistre tout et que c'est votre subconscient qui va matérialiser les choses pour vous. Donc, c'est très, très important. C'est très important de savoir comment tout ça fonctionne. Donc, ça, c'était la première époque. Donc, ça retrace. Le tout début de mes expériences, hein, depuis l'âge de 19 ans, où je m'étais aperçue de l'importance de la pensée, mais pas de la parole, jusqu'au moment où j'ai fait cette découverte-là, et qu'en fait, ce que nous disons vraiment est créateur. Et que si nous répétons sans arrêt quelque chose, ça va se graver dans notre subconscient et ça va former notre futur. Et ça va former aussi le futur de ce qui nous entoure. Donc on est responsable aussi de la formation de ce qui arrive autour de nous. Donc on est tous co-responsables en fait de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui se passe dans nos vies. Et donc, c'est de tout cela que je parle. Et donc, j'ai expérimenté tout ça d'abord pour moi. Ensuite, j'en ai parlé à des amis. Ensuite, j'en ai parlé à des groupes. Et voilà. Et de fil en aiguille, les gens m'ont demandé des choses. Et donc, j'ai écrit ces paroles magiques. Donc, ça, c'était, vous savez, moi, je suis chanteuse. Donc, je suis auteur-compositeur, compositrice-interprète. Et en fait, j'ai réussi à faire tout un tas de gros spectacles, donc beaucoup de casinos de Paris, Olympia, Trianon, Folies Bergère, etc. Et c'était toujours en appliquant ces techniques d'affirmation avec la parole. Donc c'est toute cette expérimentation-là que je vous propose de découvrir, donc à travers les livres. Celui-là, donc le premier. Ensuite, il y a eu un livre qui est une méthode qui est sortie aussi à la suite. Donc ça, c'est la méthode avec le tarot, avec et sans d'ailleurs, parce qu'il y a les phrases. Vous avez à l'intérieur un jeu de tarot en noir et blanc que vous pouvez découper, photocopier, colorier comme vous voulez, etc. Vraiment, toutes les techniques sont expliquées très, très facilement là-dedans. Tout ça, vous le trouvez bien sûr sur la boutique, hein, à droite du site Bonheur TV. Vous avez bien sûr le jeu de tarot qui était d'abord comme ça au départ, je vous le montre. Et qui a été réédité il y a quelques années sous forme de coffret. Donc, il contient un gros livre à l'intérieur avec la méthode encore plus simplifiée, plus facile, etc. Et surtout les témoignages de toutes les personnes qui ont testé ça avec succès et qui ont écrit, parce que tout le monde n'écrit pas, mais tout le monde a des résultats. Si vous faites le travail, vous avez des résultats. Donc, c'est de ça que je vais essayer de vous parler. Chaque fois que je ferai une conférence sur Facebook, je vous donnerai le rendez-vous, vous recevrez un mail où je l'annoncerai sur Facebook et sur les autres sites, hein, pour que vous puissiez venir poser vos questions, pour que vous puissiez vraiment bénéficier d'autres techniques, etc.
Voilà, normalement, donc quand vous faites ce travail, vous avez des résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné en vous ou autour de vous. Et on travaille aussi là-dessus. Donc, c'est le sujet d'une autre conférence qu'on verra plus tard. Ensuite, il y a eu ce livre-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire ces livres-là parce que c'est vraiment toute l'expérimentation, non seulement de moi, mais de toutes les personnes qui ont suivi mes ateliers, mes stages. Et qui racontent leurs histoires aussi, et qui racontent comment ça s'est produit, qu'est-ce qu'elles ont découvert, comment les choses se sont matérialisées, comment les miracles se sont formés, parce que ça tient quasiment du miracle quand les choses se résolvent et que au départ, il n'y a pas du tout la possibilité que ces choses-là soient résolues. Donc, ce que je vais faire pour vous, je l'avais promis, hein, tout à l'heure, je vais vous donner à chacun une petite phrase. Une petite phrase que vous allez pouvoir utiliser. Alors, je vais vous donner une phrase d'oracle, je vais vous donner une phrase par rapport aux petits jeux qui sont à l'intérieur de chaque livre. Par exemple, à la fin de ce livre-là, vous avez plein, plein d'affirmations qui sont des exemples de phrases que vous pouvez utiliser dans telle et telle circonstance pour toutes les choses de la vie courante, pour améliorer ceci, cela, etc. À la fin de ce livre-là, donc vous avez le jeu de tarot en noir et blanc que vous pouvez colorier, que vous pouvez photocopier, etc. Et la méthode. À la fin de ce livre-là, vous avez un petit jeu que j'adore. Donc il est tout à fait à la fin, on peut le découper, hein. Il y a 42 cartes, vous pouvez les utiliser comme ça. Donc c'est un oracle qui répond à vos questions. Et le tout dernier livre que j'ai écrit, c'est celui-ci. Qui s'appelle Ces paroles qui nous sauvent, tout petit livre. Donc ce livre-là, à la fin aussi, il y a 365 oracles qui répondent aux questions que vous vous posez. Donc c'est ça qu'on va tester tout à l'heure, hein. C'est des phrases de cet oracle que je vais vous donner à chacun, à chacune. Mais en fait, ce petit livre, ça vous aide vraiment à transformer votre vie. C'est un livre d'exercice. Donc, il faut prendre un cahier, répondre aux questions qui vous sont posées dans chaque petit chapitre. Donc, c'est sur le plan matériel, sur le plan psychique. C'est le plan matériel, c'est-à-dire les finances, la santé, etc., ce que vous réalisez. Le plan psychique, c'est-à-dire vos espoirs, vos craintes. Le plan affectif, bien sûr, pour les histoires d'amour ou votre environnement, etc., votre famille. Et aussi le plan de votre activité, le plan spirituel, le plan de votre énergie, ce que vous voulez rayonner dans le monde, ce que vous voulez accomplir, etc. Quand vous répondez à ces questions et vous faites les petites phrases, vous les dites tous les jours et vous répondez à chaque question, vous faites un petit travail. Ça vous prend pas beaucoup de temps. Ça prend un petit peu de temps pour répondre, oui, pour répondre, pour se pencher sur chaque réponse. En fait, c'est très simple, hein. C'est qu'est-ce qui vous convient sur le plan matériel dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et chaque fois, faire une petite phrase. Donc, il y a les exemples, hein. Il y a les techniques qui sont dedans. Et quand vous faites ça, bah, votre vie entière va être complètement changée. Moi, je l'ai d'abord testé parce que l'éditeur m'avait dit qu'il faudrait écrire un nouveau livre. J'ai dit, mais moi, j'ai tout dit, j'ai déjà tout donné. Donc, je ne sais pas vraiment pas quoi faire de plus. Et en fait, j'ai eu l'idée, quelque temps après, de faire un livre d'exercice, parce que ça, je ne l'avais jamais fait. Et un livre d'exercice, eh bien, c'est très utile pour nous tous, hein. Donc, je l'ai fait avec les élèves pendant un an. Et au bout d'un an, tout le monde avait sa vie transformée complètement. Donc, il y en a une qui voulait vivre dans le Midi, ben, elle est maintenant installée depuis 2, 3 ans là-bas, du côté d'Agde. Une autre qui voulait changer de travail, ben, elle a changé complètement, elle a pu faire le travail qu'elle aimait, etc. Moi-même, je voulais changer de lieu, donc ça s'est produit. Tout est réalisable, tout ce que vous voulez réaliser est réalisable si vous faites ce petit travail. Donc, eh bien, écoutez, là, je vois déjà des questions. Bonsoir, Marinette. Tu vas me dire un numéro, Marinette, pour que je te donne un oracle pour toi, une petite phrase magique pour toi. Néfertiti, je ne vous connais pas, mais je suis très contente de faire votre connaissance. Vous avez chacun et chacune. Bonsoir, Mona. Bonsoir, Cinda. Vous allez me donner un petit chiffre entre 1 et 365. Je vais déjà vous donner un petit oracle pour commencer.
Alors allez-y, hein, donnez-moi un chiffre et je vais répondre à vos questions. Mon prénom, c'est Maud. D'accord, Néfertiti. Est-ce que tu as un chiffre à me donner pour que je te dise ton oracle entre 1 et 365? Bonsoir Christelle. Alors, Maud, c'est 25. Donc, Maud, on va voir de quoi il retourne. Donc, on va dire que c'est un oracle pour les jours à venir. Eh bien, ça tombe bien, tu vois, le 25, c'est servez-vous du pouvoir de votre parole pour remporter la victoire sur toutes les oppositions. Affirmez tranquillement chaque matin vos objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés. C'est-à-dire que si tu veux, je ne sais pas, améliorer ton travail, ben, tu formules une phrase. Donc, c'est tous ces exemples-là que vous allez trouver. Pour dire que mon travail maintenant me semble de plus en plus facile et j'ai de plus en plus de plaisir à faire ce que je fais. Enfin, c'est à toi de formuler. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit mail hein, pour savoir si votre phrase elle est conforme au meilleur conçu pour vous, hein, si vous avez un doute. Il faut faire très attention parce que votre subconscient, il note. Donc, moi, j'ai fait des bêtises au début, hein. Ce n'était pas vraiment des bêtises parce que j'étais contente quand même. Je vais vous donner un exemple rigolo. J'avais demandé à rencontrer un homme avec lequel je pourrais avoir des relations épanouissantes en amour. Et j'avais employé le terme épanouissante. Et il se trouve que j'ai rencontré cet homme-là avec lequel je me suis mariée d'ailleurs après. Mais le truc, c'est que j'ai été enceinte tout de suite. J'ai été épanouie immédiatement. Donc j'aurais aimé avoir quelques mois de plus. Et voilà. Et donc mon subconscient m'avait prise au mot et j'ai été épanouie tout de suite alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant normalement. Donc j'ai eu des relations épanouissantes en amour. Voilà, ça c'est un exemple. Mais il y en a bien d'autres qui sont rigolos d'ailleurs que je donne dans toutes ces histoires. Donc, alors on va essayer de répondre à tous ceux qui écrivent. Marinette dit 44. Alors, Marinette, 44. 44. Peu à peu, la personne qui partage votre vie va retrouver son équilibre. Le travail qu'elle fait à l'extérieur va complètement absorber son agressivité qu'elle n'exprimera plus au foyer. Donc, je ne sais pas si ça répond à tes préoccupations du moment, Marinette, mais en tout cas, c'est la phrase que tu as eue. Alors, Christelle me dit, il y a plusieurs cartes dans le jeu, dois-je les mélanger toutes ensemble? Bien sûr, Christelle, il faut les mélanger. Vous pouvez aussi en prendre une parce qu'elle parle vraiment, elle représente vraiment la solution que vous voulez expérimenter. Mais vous pouvez aussi les prendre au hasard, c'est plus rigolo, face cachée, c'est-à-dire, et dire quelles sont les phrases, quelle est la phrase que je dois travailler. Quand je dis travailler, ça veut dire regarder la carte et dire la phrase à haute voix, au moins une fois par jour. Si vous la dites 3 fois par jour, c'est mieux, hein, bien sûr. Si vous la dites 500 fois par jour, ça va accélérer le processus. Plus vous allez la dire, plus vous allez provoquer les choses plus facilement et plus rapidement. Et donc, vous dites quelle est la phrase, quelle est la carte que je dois travailler, c'est-à-dire regarder la carte, dire la phrase à haute voix. Je vous conseille de le faire à haute voix si vous le pouvez, sinon vous trouvez un endroit où vous pouvez marmonner ça. Mais enfin, on trouve toujours le moyen, hein, de le dire. Sinon, même si vous le dites mentalement, ça va marcher quand même, et c'est plus fort à haute voix, vous allez le ressentir. En fait, quand vous faites ces petites affirmations, ce qui va se passer, c'est que vous allez, au bout d'un certain temps, sentir comme un sentiment de soulagement, un grand soupir d'aise. Et ça, c'est le signe. Vraiment, c'est le signe que votre subconscient est en train de réaliser les choses. Même si vous ne le voyez pas encore, votre subconscient vous donne le message, ça y est, j'ai compris ce que tu veux. Votre esprit vous croit. En priorité, il vous croit, vous. Donc, si vous vous dites des méchantes choses, eh bien, il va vous croire et il va matérialiser ces méchantes choses. Donc, essayez de vous parler gentiment, de vous dire des choses qui vous font du bien. C'est tout ça que j'enseigne, hein. C'est à bien communiquer avec soi-même pour que les choses s'améliorent, parce qu'il va vous croire, vous, en priorité. On a une machine extraordinaire, hein. C'est notre subconscient, c'est comme un ordinateur extrêmement, extrêmement perfectionné, bien plus que tout ce qu'on peut avoir à notre disposition aujourd'hui. Mais on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc voilà, donc moi je l'enseigne depuis très longtemps et je trouve que c'est une chose passionnante parce que le plus grand bonheur de l'être humain, c'est de voir qu'il a la capacité
de changer ce qui ne va pas. Et on le sait dès qu'on arrive sur Terre, toute petite, moi je savais à l'âge de 2 ans que s'il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien dans mon entourage, je voulais qu'une chose, c'est que ça aille mieux parce on le sent vibratoirement, on le sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on veut toujours le mieux, c'est ça la vie. La vie va toujours vers le mieux. Donc, eh bien voilà, c'est tout ça que vous allez commencer à faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit cahier où vous allez noter. Vous avez dit telle phrase, vous avez travaillé telle carte, vous avez dit telle affirmation tel jour, vous l'avez dit tant de fois, vous l'avez répété pendant tant de jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des périodes de 30 jours, comme ça vous êtes sûr que le subconscient a pris le message. Surtout si vous ne le dites qu'une fois. Si vous le dites beaucoup, beaucoup, il se peut que dans les 48 heures, la chose soit résolue. Vous allez voir des effets très vite. Et si vous sentez ce sentiment de soulagement, même s'il n'y a rien encore qui s'est produit, vous pouvez être sûr, je vous le signe, chose est déjà réalisée là. Dès qu'on a un sentiment de soulagement, c'est que quelque chose a été dénoué, a été réalisé de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, donc c'est toutes ces expériences que vous allez apprendre à faire, à générer. Moi, je vous répondrai toujours hein, tant que je peux, tant que je peux répondre et que je ne suis pas submergée par ces demandes. Je peux répondre aux questions ou je demanderai aux élèves qui ont déjà tout transformé dans leur vie de vous aider, de vous répondre. J'ai fait sur Facebook un groupe qui s'appelle Paroles Magiques, les conférences du Pont Net. Les conférences du Pont Neuf, pardon. Et donc là, sur ce groupe Paroles Magiques, vous allez rencontrer d'autres personnes qui travaillent de la même manière que vous et qui pourront aussi parler avec vous et répondre à ce que vous demandez. Et puis moi, j'y vais de temps en temps pour voir ce qui se passe. Alors, Maria Laura me dit sur YouTube, bonsoir Hélène, un seul livre, je ne peux pas choisir lequel me recommander. Ben, commencez par le début, commencez par Paroles Magiques. Et comme ça, vous aurez déjà les premiers pas. Hein. Commencez par celui-ci. Moi, c'est ça que je vous conseille. Commencez par celui-ci. Moi, mon préféré, c'est celui-là, le rouge, parce qu'il représente la suite. Parce que Paroles Magiques, c'est comme un conte de fées vrai, réel. Hein. C'est ma vie. Moi, je l'ai fait en spectacle, je l'ai fait en film. Vous pouvez le voir sur Bonheur Privé actuellement. Ça s'appelle Ces phrases qui ont changé ma vie. C'est toute mon histoire. Ça résume un petit peu ce livre aussi. En fait, la suite de l'histoire est passionnante parce que les expériences étaient encore plus diversifiées pour tout le monde. Alors, Marinette me dit qu'elle en est au stade de soulagement paix intérieure. Et ben voilà, c'est très bon signe, Marinette. Ça veut dire que tu as très bien travaillé dans ton subconscient et que déjà, il est en route, il s'est mis au travail pour te donner ce que tu souhaites. Je vais voir à qui. Je réponds d'abord sur YouTube et puis je vais voir Facebook après. Ce que je veux dire, il y a des cartes avec un chiffre romain et d'autres avec des chiffres no normaux, me dit Christelle, et d'autres avec des pages, des reines. Quels sont les différents? Eh bien, ça, c'est le cours, hein, c'est quand vous venez suivre. Normalement, vous avez eu le petit coffret, vous avez eu ça. Dedans, il y a un livre qui vous explique tout ça. Donc, ce n'est pas très grave que vous preniez l'une ou l'autre carte. Hein. C'est les arcanes majeures, les arcanes mineures. C'est tout ce que j'explique dans les stages. Et j'ai fait pour tous les gens qui sont loin, qui ne peuvent pas venir à Paris suivre les stages en présentiel, comme on dit. J'ai fait une formation Internet qui est accessible à tout le monde. Vous avez tous les jeux, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout, vraiment tout. Je peux vous dire ce qu'il y a dans cette formation. C'est très, très complet. Vous allez recevoir les techniques de matérialisation qui ont été testées par des milliers de personnes. Vous allez trouver les justes solutions aux questions qui se posent à vous. Vous allez apprendre à vous coacher vous-même, à coacher votre subconscient efficacement dans le sens souhaité. Vous allez apprendre à réparer votre image de vous-même afin de connaître la réussite que vous souhaitez. Vous allez disposer d'un surplus d'énergie pour maintenir ce niveau au maximum afin d'harmoniser tout ce qui vous tient à cœur. Et vous allez vous remotiver, surmonter le découragement, garder le rythme quotidien stimulant pour être toujours inspiré. Et vous allez surtout être soutenu en vue de la réalisation de vos objectifs. Vous allez pouvoir échanger vos expériences avec les autres puisque vous allez vous rencontrer sur la page Facebook. Et surtout, vous allez pouvoir aider vos proches par les paroles que vous prononcerez dorénavant. Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? Je vais vous le dire. Vous allez trouver 4 modules audio de 12 heures de cours chacun sur le tarot. Donc, c'est très complet. Vous allez trouver un lien web conférence vidéo par module d'environ 1 heure chacun. Vous allez trouver une séance de relaxation par module de 10 minutes à 20 minutes chacune. Vous allez trouver un livret PDF par module de 27 ou 60 pages chacun. Un jeu de cartes par module de 27 à 60, de un jeu de cartes par module ou un jeu d'oracle, donc c'est où 78 cartes, donc le jeu de tarot, vous l'aurez en noir et blanc. Vous aurez un jeu, donc c'est très bien en noir et blanc parce que vous pouvez le peindre et donc mettre vos propres vibrations, vos propres couleurs dedans. Vous allez trouver un jeu de 42 cartes que je vais vous faire essayer tout à l'heure. Vous allez trouver un jeu de je sais plus. 60aine de cartes, je crois, etc. Donc, il y a plusieurs jeux, et il y a les oracles, etc. Vous allez vraiment trouver beaucoup, beaucoup de choses, et surtout un film à télécharger par module, qui va de 1h30 à 2h chacun. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tous les outils que j'ai créés pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé des spectacles, j'ai créé des chansons. Ça, c'était la principale chose. Donc, même dans les chansons, vous avez des secrets dedans, vous avez une chanson qui va vous plaire beaucoup, qui s'appelle La recette du bonheur, qui est un bon résumé de toutes ces choses. Il y en a une autre aussi qui résume bien les choses, c'est Si tu veux que je grandisse. C'est très bien aussi pour vous rappeler ce qu'il faut faire par rapport à vos enfants, etc. Il y a plein de petits secrets comme ça dans les chansons, mais c'est accessible à tous. Hein, voilà, ce sont des petites leçons de ce que j'ai appris, de ce que j'ai voulu transmettre. Il y a des films, bien sûr, donc des films et aussi des émissions éducatives. Ça, vous les trouvez sur Bonheur TV, hein, elles sont gratuites pour l'instant. Donc, c'est un site qui est gratuit, vous pouvez y aller. Et donc, ces émissions, ce sont des émissions sur la communication non violente, etc., avec des thérapeutes, avec tout un tas de personnalités très importantes. Vous avez donc des films et puis tous ces livres que j'ai écrits, mais si vous prenez la formation, vous avez vraiment énormément de choses, et puis il y a un petit cadeau pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui la voudraient. Donc au lieu d'être à son prix normal, normalement la valeur de la formation c'est 1 600 euros, mais là le prix exceptionnel est de 397 euros. Et si vous vous inscrivez maintenant, il y a une réduction de 80%, c'est-à-dire qu'elle, je crois que c'est 78 euros, quelque chose comme ça. Donc, je vous donnerai, vous m'écrivez, je vais vous donner mon mail, et si vous le voulez, je vous donnerai le code pour avoir cette réduction exceptionnelle où vous avez tout, absolument tout dans cette formation. Maintenant, si vous voulez commencer par un livre, commencez par Paroles Magiques. Si vous ne voulez pas entendre parler du tarot, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout friands de ça, juste les phrases, donc c'est ce livre-là, ces paroles qui nous sauvent. Et là, déjà, vous allez faire un bon magistral en avant, parce que déjà, vous allez apprendre à vous servir de ces paroles, de votre parole. Donc, Christelle, pour savoir les chiffres romains, les chiffres, tout ça, ça n'a pas trop d'importance. Hein. C'est si vous voulez étudier le maniement du tarot. Moi, je l'enseigne, hein, je fais des stages là-dessus, et vous allez le trouver dans la formation. Mais vous mélangez tout votre jeu. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous dire je mets les rois d'un côté et les chiffres romains de l'autre, etc. Vous mélangez tout ça et vous voyez ce qui sort. Voilà. Si deux cartes tombent, que doit-on faire? Eh bien, on peut dire les deux si elles nous plaisent, si ça correspond à ce que l'on veut changer. Alors, Christelle, ben c'est très bien, Christelle. Donc, laissez-moi votre mail et comme ça, je vous envoie le lien pour avoir la réduction, hein, parce que je ne sais pas si le webmaster l'a mis sur le site en ce moment. Vous regarderez, mais je ne suis pas sûre. Hein, mais je vais lui poser la question, mais sinon, en passant par moi, je vais pouvoir vous arranger ça. Alors, il y a quelqu'un qui... Barbara qui me demande 123. 123, donc votre oracle, Barbara, 123. 123. Vous saurez vous adapter à tous les changements qui vont intervenir dans votre travail. Votre bonne humeur vous apporte la chance. Saisissez les occasions que vous apportent vos amis. Voilà. Ensuite, on a Mona qui demande le 215. 215. Donc ça, c'est un petit livre. Vous pouvez vous en servir
pour vous déjà, pour répondre aux questions qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez vous en servir pour votre entourage quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien et qui est même par téléphone et qui vous dit qu'est-ce que je dois faire. Vous lui dites de choisir un chiffre entre 1 et 365 et vous allez tomber sur une phrase qui va lui faire du bien. Donc, je vois plus 215, hein, c'est ça, 215. Avancez avec confiance dans votre vie, vous bénéficiez de l'énergie et de la puissance nécessaires à la réalisation de votre objectif. De nouvelles perspectives s'offrent à vous maintenant. Alors, ensuite, Cinda demande, est-ce qu'on peut dire plusieurs affirmations en même temps, combien au maximum, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire, alors voyons, afficher plus, un à un, je suppose que c'est ça. Le faire une pendant 30 jours, puis passer à une autre. Écoutez, Cinda, je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai commencé, j'avais tellement de choses à demander que j'ai tout demandé. Le seul inconvénient, c'est que tout arrive en même temps. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est produit, puisque votre subconscient l'a enregistré. Et donc, il m'a donné tout en même temps. C'est comme ça que je me suis retrouvée enceinte. C'est ce que je raconte sur Parole Magique, le livre bleu. Enceinte, sur la scène du Casino de Paris, en train de déménager, ayant rencontré l'homme de ma vie. Ayant sorti un nouveau disque, etc. Tout était à la fois. C'était beaucoup, beaucoup. Ça faisait beaucoup de changements et de transformations en même temps, mais c'était merveilleux en même temps, quoi. C'était miraculeux. Voilà. Et surtout, quand vous demandez quelque chose, n'oubliez jamais de mettre ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Ou dans l'harmonie de l'univers, comme vous voulez. Toujours mettez ceci ou mieux encore, parce que votre subconscient, il est capable de vous donner tout ce que vous voulez. Mais si vous le limitez, vous lui dites je veux que 20 000 euros, par exemple, eh ben, il va vous donner les 20 000 euros. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'avais besoin d'une grosse somme à une époque et j'avais demandé 200 000 francs. Et je les ai eus, miraculeusement. Hein, eh bien, j'étais très embêtée parce que je me suis dit 220, ça aurait été nettement mieux. Et depuis, je mets toujours la petite phrase, ceci ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique, du plan divin, comme vous voulez, du plan universel. Toujours dans l'harmonie, parce que votre subconscient, il va enregistrer. Si vous êtes stressé, que vous le demandez dans le stress, il va enregistrer le stress, il va vous le donner avec du stress. Donc, faites très attention, calmez-vous avant de demander les choses. Sachez que de toute façon, votre subconscient, il entend et il fait le boulot. C'est ça qu'il faut savoir. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et quand on commence à utiliser cette puissance-là, eh bien, on est de plus en plus enthousiaste. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que les choses peuvent changer de la bonne manière. Et donc, on a beaucoup de choses à changer dans ce monde. Il y a beaucoup de travail. Moi, ce que je cherche, c'est à former des formateurs qui vont pouvoir distribuer tout ça, qui vont pouvoir le dire au maximum de gens, qui vont pouvoir expliquer aux gens comment ça marche pour que le monde puisse changer de la bonne manière. Alors, Cinda, ben, écoutez, Cinda, vous me laissez, je l'ai peut-être votre adresse. Attendez, vous étiez inscrite, Cinda? Non? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas votre adresse. Mettez-moi vos adresses mail ou je vous répondrai là-dessus. Je ne sais pas, je vais me débrouiller. Ma connexion coupe sans cesse. Je n'ai pas entendu mon chiffre. Quel était votre chiffre, Mona? Je ne le vois plus. Il a disparu là. Quel était votre chiffre? Dites-le-moi. Alors, qui n'a pas eu son chiffre? 35, Christelle. Est-ce que je vous ai dit votre chiffre, Christelle? Alors Christelle, c'est une phrase qui va peut-être vous ouvrir des horizons nouveaux. Si vous vous sentez triste sans savoir pourquoi, sachez que vous captez la peine d'une personne proche. Inutile de savoir de qui il s'agit pour lui envoyer des pensées d'encouragement. Alors, Belma demande le 27. 27. Une bonne nouvelle va mettre une note de gaieté dans cette journée et vous serez poussé à l'action. Vous aurez l'impression extraordinaire d'avoir à votre disposition une baguette magique. En fait, la baguette magique, nous l'avons tous, hein, mais elle reste souvent dans notre poche puisqu'on ne l'utilise pas. C'est notre parole qui est une baguette magique, en fait. Alors, Cinda, la connexion coupe, c'était le 223. Alors, le 223. Vous vivez la prospérité dans vos affaires avec de nouvelles rentrées d'argent. On vous accordera les crédits demandés et vous pourrez concrétiser vos aspirations.
Ben, merci à vous tous, hein. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Si vous voulez, on se donne rendez-vous toutes les semaines, hein. Je vais tâcher de mettre ça en place en ce moment, parce que c'est les vacances et qu'on peut trouver du temps. On peut trouver une petite heure par semaine pour ça. Et comme ça, on pourra continuer ces conversations. Je vais vous faire essayer le jeu maintenant, qui est donc cet oracle-là, ces oracles-là que je vous ai lus, c'est dans ces phrases qui ont changé ma vie, hein, qui est un petit livre que vous trouvez sur la boutique www.bonheur.tv, BONNEHUR.TV, sur la droite, la boutique où vous trouvez les disques, les DVD, les livres, les jeux, etc., etc., les séances de relaxation aussi, les enregistrements et compagnie. Voilà, vous allez trouver beaucoup de choses et surtout la formation, vous allez la trouver là. Donc, je vais voir avec le webmaster pour que vous ayez votre réduction de 80% sur cette formation pour celles qui ont demandé cela. Et maintenant, je vais vous demander de prendre un autre chiffre entre 1 et 42 pour que je vous donne un deuxième petit oracle à chacun et chacune. Et ça, il s'agit du jeu dont je vous ai parlé, qui est derrière ce livre-là, avec tellement d'expérimentations, tellement de miracles, en fait, tellement de choses qui se sont produites magnifiques. Et c'est le petit jeu qui est à la fin de ce livre. Donc, si vous le voulez aujourd'hui, je vous envoie le boîtier aussi qui va pour mettre le petit jeu qui sera offert avec tout ça. Alors, allez-y, donnez-moi vos chiffres. 27 pour Monique. 27 pour Monique. Alors 27, je vais le prendre là, ça va être plus simple. 27. Ensemble, il y a écrit grande victoire sur les forces contraires. Votre courage, votre exemple, votre démonstration et votre constance imposent le respect. Vous êtes appelés à faire part de votre expérience aux jeunes générations et vous leur apportez vos solutions joyeuses et votre inspiration. Alors, Cinda, elle a le 27. Cinda, le 27, il faut que je vous le répète, hein, c'est pareil. Ensemble, grande victoire sur les forces contraires, votre courage, votre exemple, votre démonstration et votre constance imposent le respect. Vous êtes appelés à faire part de votre expérience aux jeunes générations, vous leur apportez vos solutions joyeuses et votre inspiration. Eh bien, si toutes les deux, vous voulez commencer à enseigner cette méthode, je serais ravie de vous aider. Je vous conseille de prendre la formation Internet, comme ça, vous pourrez le faire à votre rythme. Et sinon, bah, si vous êtes à Paris, ou même si vous êtes ailleurs, parce que j'ai un stage samedi et dimanche, là. Je peux vous envoyer les docs si vous ne les avez pas eus, hein. Vous pouvez avoir une séance à plusieurs. Voilà. Alors, qui a dit le 13? C'est Barbara. Barbara, guérison, vous avez l'oracle de la guérison. Vous avez continué d'aller de l'avant en faisant comme si tout allait bien et sans parler des obstacles auxquels vous étiez confrontés. Aujourd'hui, vos prières sont exaucées. Alors, Marinette 56. 56. Mais je n'ai pas 56, Marinette. Tu dis jusqu'à 42. 56, on va voir sur un autre jeu après. Je te le garde pour plus tard. Qui a dit 20? C'est Christelle, est-ce que j'ai répondu à la carte numéro 20? Non, 20. Le respect. Vous avez défendu votre territoire et en êtes sortie victorieuse sur toute la ligne. Vous recevez la confiance de personnalités très importantes et leur appui. Vous savourez votre réussite et imposez le respect. Ensuite, il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas sa réponse. C'était Maude qui a le 40. 40. Coopération. Vous rencontrez maintenant les personnes nécessaires à donner le plein rayonnement à votre entreprise. Les choses vont se mettre en place tout naturellement, alors détendez-vous. Voilà, donc vous avez eu un petit échantillon et Marinette, elle a dit le 38 maintenant. Alors le 38. Complétude. Laissez-vous porter par le rythme de vos pas et entrez joyeusement dans la danse de la vie. On ne demande qu'à vous suivre.
Voilà, donc je vous ai parlé de tous ces ouvrages hein, que vous trouvez sur la boutique de Bonheur TV. 22, est-ce que j'ai fait 22, Marie-Laura? 22, je ne l'ai pas fait. Alors, 22. 22, c'est la victoire. Si dans le passé, votre progression a été arrêtée, aujourd'hui, vous reprenez votre œuvre là où vous l'aviez laissée et cette fois, elle est accomplie. Alors, j'espère que tout ça vous a fait beaucoup de bien, que vous allez pouvoir vous servir de votre parole pour changer les choses. Évidemment, pour tous ceux qui veulent tester le jeu de tarot hein, que vous connaissez, vous pouvez avoir votre assemblage de cartes sur la boutique de Bonheur TV, donc BO2NEHEURE.TV, à droite, la boutique, vous l'ouvrez et vous allez fouiller dedans et trouver votre assemblage gratuit. Vous allez trouver aussi tous les produits en question. Et là, je vais vous faire essayer un troisième petit jeu. Alors ça, c'est un jeu qui s'appelle Parole d'ange, qui répond à toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser dans la journée quand vous ne savez pas comment agir, etc. C'est un jeu qui m'a énormément aidée. Moi, je l'ai toujours dans mon sac quand vraiment je ne sais pas comment faire. Donc, il fait 62 cartes, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça. Il est à découper, hein. Je l'envoie en petit jeu à découper avec un petit boîtier. Et c'est pour mettre dans votre sac, hein. C'est tout petit, je vous le montre. Voilà, c'est un tout petit jeu. Et donc, il y a des petites phrases derrière. Ce sont des affirmations. Alors, je ne sais pas, donnez-moi un chiffre. Il faudrait que je vous donne le nombre de cartes. 1, 2, 3. Dites-moi un chiffre et je le sors comme ça, voilà. Dites-moi un chiffre chacune et je vous en sortirai une au hasard, en comptant, si vous le voulez, si vous êtes toujours là. Bon, ben, si personne n'en veut, ah si. Alors, belle main, dit le 21, 2, 3. Alors, Belma, il y a écrit présage de richesse. Donc voilà, ça peut vous donner des bonnes idées. Quand même, ça vous aide à interpréter les rêves. Quand vous avez fait un rêve la nuit, ça vous donne des indications. Alors, Maud, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Maud, on vous dit formuler clairement la demande en accord avec les forces de bien pour la voir s'accomplir. Christelle, énergie retrouvée. Où j'en suis là, Christelle. Maria Laura, ton souci est une illusion, un mensonge, ce qui te tracasse n'existe pas. Qui d'autre? Maria Laura, Monique, 49. Maria Laura, tu as gagné, c'est ce qui est écrit dessus. Monique Castres, 49 aussi, donc c'est pareil. Hein. C'était qui? C'était Monique? Non, c'était pas Maria Laura, c'était Monique Castres qui tu as gagné. Marinette, la force qui t'a mené jusqu'ici te montre le reste du chemin. Alors, y en a-t-il ici? Le 27, je ne sais pas, je vois Cinda le 27. C'est pour ce jeu-là, Cinda, le 13, le 19. Non, Barbara, le 27. Alors, Barbara, l'harmonie divine coule en toi et remplit toutes les coupes vides de ta vie. Cinda, le 19. Présage de triomphe. Voilà, donc. Voilà, donc j'ai répondu, je vous ai fait essayer un petit peu tout. Vous pouvez, donc ce jeu s'appelle Parole d'ange. C'est vraiment très, très utile. Moi, je vous dis, ne me quitte jamais. Il est sur ma table de nuit, etc. Donc, c'est des petits tuyaux. En fait, ça vous sert à remplacer
toutes les pensées et les paroles, parce que vous savez, donc c'est des petits tuyaux, en fait, ça vous sert à remplacer toutes les pensées et les paroles, parce que vous savez, on est tous mis dans ce subconscient universel, donc les gens sont très angoissés autour de nous en ce moment de travailler avec ces outils-là. C'est pour ça que je voulais vous en faire part aujourd'hui. Le 19, c'est ça que demande Cinda. Est-ce que j'ai déjà répondu à ça? Je ne sais pas. Cinda? Ah oui, j'ai déjà répondu. OK. Bon, ben voilà. Donc, je serai très heureuse de vous retrouver. Pour celles qui veulent la formation, ben, je vais regarder. Hein. Je pense que je vais retrouver la manière de vous répondre à chacune. De toute façon, c'est sur la boutique, hein, c'est dans la boutique formation. Vous pouvez aussi me mettre un petit mot, il y a mon mail, hein, contact@bonheur.tv, donc BONHEUR.TV, et je vous répondrai bien sûr. Et donc, je vous retrouve avec joie très prochainement. Je l'annoncerai. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Donc, on est jeudi. On peut dire jeudi prochain à 18h si vous le voulez, si vous êtes d'accord. Et je serai ravie de tous vous retrouver. Et j'ai passé un moment super avec vous. Et si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas, hein, contact@bonheur.tv et je vous répondrai. Je vous embrasse. À bientôt. Et merci à vous tous et à vous toutes.